Et les légions, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur la Frapsolus d'Until Dawn sur PlayStation 4. Je le rappelle, une console qui m'a été offerte par Celt. Encore une fois, un immense merci à toi. Nous sommes actuellement de retour avec Matt et on a pu voir dans la cinématique précédente, à la fin de la vidéo, que la porte était fermée. Hey, c'est fermé. Putain, qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. Voilà, c'est fermé, on est coincé. On continue à descendre du coup avec Emily. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et s'ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs. Une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. On va s'éloigner un tout petit peu. On a deux, trois petites choses à voir, deux en l'occurrence. De ce côté-là, il y a un premier point blanc qui ne fait pas partie des indices. De la peinture ? Et encore fraîche ? Eh bien, eh bien. Et ici, un totem. On est sur la fin du chapitre 5, hein, au cas où. Totem de mort pour Matt. Il va falloir qu'on évite de se rater quand même. Et on revient un petit peu, parce que je voudrais juste vérifier quelque chose que je n'ai pas pensé à faire quelques minutes. Voilà, si. Je sais pas si vous voyez, nous allons devoir faire un choix d'ici peu. Et à gauche, dans la fenêtre, vous avez un petit message. Regarde, une hache. Je me sens vraiment mieux avec une hache. Tu m'étonnes. Nouvel indice obligatoire, du coup. Casse la porte, tu veux? Attends une minute, il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Ah, pas Alan. Si. Regarde. Quoi? Une fenêtre. Ah, super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Sauf que, étant donné le message qui passe à travers la fenêtre, avec marqué die, autrement dit mort ou mourir, je ne sais pas trop. Dans quel sens il faut le traduire, je pense que je vais plutôt enfoncer la porte, je voudrais pas prendre le risque qu'Emily rentre et des soucis et qu'on ne puisse pas entrer nous aussi en fait, qu'on ne puisse pas la défendre. Là au moins si on se fait attaquer on est deux, je trouve ça plus intéressant, donc on va enfoncer la porte quitte à prévenir la personne qu'on est là. Ok, c'est parti, je respire et je vais. Mais mind-toi. Elle m'agace. Précision, ce choix n'a aucune incidence, ça ne fera pas mourir de personnage. Donc vous pouvez parfaitement faire l'autre autrement. Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Mais c'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, il est ferré tout là-bas. Bah, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Laisse-moi le temps de trouver une petite solution. Complètement bousillé. Oui. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il y a des messages partout. Die, die, die. Quelqu'un voulait vraiment à cette pièce. Quelle porte.
bordel. Déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant... Mais regarde, une tour de guet. Hé, Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas? Comme ça, on voit où est à peu près le sanatorium. Alors, il me semble que le sanatorium, c'était les endroits pour pouvoir soigner les gens, par exemple, atteints de tuberculose, ce genre de choses. Ce qui permettait, en fait, c'est pour ça qu'ils étaient souvent dans des lieux assez reculés, loin de des zones industrielles. Puisque c'était à cette époque où, justement, avec toutes les fumées, des machines, etc., toute la vapeur, c'était assez dégueulasse. Et du coup, on allait construire des environnements pour les tuberculeux, en campagne, en montagne, où l'air était bien plus frais. Et au moins s'éviter qu'ils puissent transmettre la tuberculose à d'autres personnes en ville. Donc, d'où le fait qu'on puisse en trouver si haut. Un institut psychiatrique. Super. Alors ça, c'est carrément... Bizarre. Non, juste flippant. Parce que, bon, rectification, il marque bien sanatorium. Donc soit c'est un institut psychiatrique, soit c'est un sanatorium avec un quartier psychiatrique. Faudrait voir, je sais pas. C'est charmant. C'est flippant. Alors entre nous, je trouve ça un peu dégueulasse parce que la peinture ne suit pas du tout le bois. On dirait des pauvres calques posés sur un mur. Et quand la caméra se rapproche, ça me choque parce que j'ai vraiment l'impression que les lettres ne sont pas collées au mur. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Je t'écoute. Regarde ce foutoir. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. On dirait pas que le mec a peint le texte. Et enfin, ici... Il y a des tas de boutons dont on ne peut rien activer, pour une raison toute simple. Pas de clé. Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Ah, et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la carte, là? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose, enfin, ce serait logique, non? Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Alors on va acquiescer parce que je pense que c'est une bonne idée en fait. On pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Ah, bien. Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles. Quoi? Mais quelles règles? Règle numéro 1, Emily a toujours raison. Règle numéro 2, on se fout du reste car Emily a toujours raison. Qu'est-ce que t'es désagréable! Je t'aime pas, Emily, je t'aime pas, je suis désolé, mais... Je te trouve extrêmement agaçante. En même temps, à mon avis, elle est faite pour ça, mais bon. Hé, attends. C'est pas parce que tu feras du bruit que t'arriveras à aller plus loin. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. Par contre, elle a la bonne idée de vérifier avant de commencer à descendre l'échelle. Faut attendre qu'elle ait fini de descendre pour pouvoir l'utiliser à notre tour. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Et voilà le travail. Amène-toi. On peut carrément partir d'ici. Ça va? Ouais. Tiens, tu peux peut-être passer devant pour me protéger. Ok, tout doucement. Ok, c'est bon. Oh la vache. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. Ok. Putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ouh. On fait un petit arrêt juste ici. Nous avons un nouveau totem. Jeune à première vue, donc totem de conseil. Et
nous est conseillé de donner l'arbre à Matt. L'arbre, c'est un peu plus difficile de faire passer un arbre, quoique ça dépend de la taille de ce dernier, mais bon. Là, apparemment, on ramasse une arme. Ça marchait pas. Quoi ? Je vais réussir à parler. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être qu'on peut juste descendre. Descendre quoi ? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème ? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et ben ça change rien. On n'y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non. Mais on devrait peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais on va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'il s'attend à nous trouver. Donc oui, comme je disais, quoi qu'on trouve, il faudra le passer à Matt. Du moins, c'est ce que le jeu conseille, ou le totem conseille. On va voir. Ici, Madame part sur la droite, mais nous avons deux éléments à récupérer, l'un complètement à gauche. Ok. C'est le portable de Bess. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Rien de plus à voir par là-bas. Donc, portable de Bess. 10e indice sur 20. 1952, ça a l'air d'aller aussi. L'homme mystérieux. Il nous manque le 14, juste ici. Mais bon, vu qu'on l'a trouvé certains là, on peut imaginer qu'on en aura d'autres. La hache qu'on venait de ramasser. Et les totems, on peut voir que ça s'est rempli au fur et à mesure par rapport au totem de mort. Et en dessous, les événements du passé aussi apparaissent en fonction du nombre de totems qu'on ramasse. D'ailleurs, on va en ramasser un autre juste après, là, deux totems. Le voilà. Totem de chance. Cette zone fait énormément penser à là où Bess et Anna sont tombés. Et c'est le même endroit en fait, c'est pour ça qu'il y fait penser. Bien où tu marches, Emily. Ouais, Matt, si tu me demandes, j'aimerais autant ne pas passer la nuit à dégringoler d'une falaise jusqu'à ce que j'en crève. Merci, Emily. On appréciera ta participation encore une fois. Matt, c'est quoi ça? Pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous faites encore ? Une mauvaise blague ?
Ok. C'est un peu plus qu'un bain de minuit là, mais quand même, vous imaginez la quantité d'eau qu'il faut pour remplir une baignoire comme ça? C'est vachement grand. Ça doit être génial. Presque une piscine intérieure, quoi. Bon, ok. En tout cas, une chose est sûre, il y avait un voyeur. Allez, quoi, mes fringues, vraiment? Celui qui a fait ça n'aura pas de cadeau de Noël. Non, sérieux, franchement, c'est pas sympa. Pas sympa du tout. Une vieille chaussette, je sais pas si c'est les siennes ou un truc qui était resté là. En tout cas, on a rien de plus à faire que sortir. Chris ? Josh ? C'est quoi ça ? Il y a des ballons un peu partout là, avec des flèches, on va donc les suivre. Du moins pour un moment. Flèche qui nous montre qu'il faut qu'on aille à droite. Chris ? Mike ? Emily ? Ça commence vraiment à devenir nul là, d'accord ? C'était très drôle, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok ? C'est bon pour vous ? On avait vu le psychopathe allumer des bougies un peu plus tôt. Ah ! Il y a des ballons qui tiennent pas. On va tout de même faire un petit écart au règlement. Ne plus suivre les ballons et passer par ici. Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette ? Eh ben, ce sera la serviette. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Un document. Une scie circulaire, 5 lames de remplacement, 15 janvier. J'ai oublié de lire ce qu'il y avait en premier lieu. Enfin, ce premier côté de la carte, c'est quoi ? La viande SARL, conditionnement de viande, Jack Mahoney, commercial en équipement d'abattoir. On reconnaît la zone par laquelle on est arrivé. La porte qui fait dégeler au tout début du jeu. On revient sur nos pas et on va pouvoir reprendre notre suivi des flèches. Elle fait n'importe quoi là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous l'avez raté, récupérer à nouveau une photo ici. On l'a déjà ramassée, normalement. Ok, si vous essayez de me faire flipper, eh ben, c'est réussi. Alors, c'est déjà arrivé plusieurs fois que j'ai l'impression de voir un truc à gauche, mais en fait, non, c'est les... Il y a des reflets assez lumineux sur les fils qui tiennent les ballons. Et du coup, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui brille quelquefois dans le décor. Salut, Samantha. Tu me cherchais? Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi, ça ? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe, là ? Ouvre les yeux. Oh, la vache ! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Un joli petit oiseau. Pourquoi ? Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature ? Pourquoi vous me montrez tout ça ? Pourquoi regardes-tu ? Josh ! Quel effet sur les défauts ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Je vais
non. Sept. Pitié, non. Sam. Non. Sam. Non. On court. Alors, faut savoir qu'il n'est pas équipé de la même manière selon les peurs que vous avez signalées. S'en aller. Et comme je disais, il n'est pas équipé de la même manière selon les choix que vous avez fait au niveau de vos craintes. Moi, c'était les seringues, donc forcément, il a une seringue. C'est des petits détails que je trouve très sympas. Au moment décisif, je vous ai dit que vos actes avaient des conséquences. Croyez-vous que cette erreur n'aura aucune répercussion? Ce que vous faites, ce que vous dites, modifie l'ordre des choses. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante, des choses mortes. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine? Mais ça, c'est pour la suite. Alors, je vous avoue une chose. J'ai horreur de leur système de ne pas bouger. Vous savez, quand il faut tenir la manette et qu'elle doit rester dans l'espèce de cadre qui apparaît en bas de l'écran, hein, vous avez une sorte de petite lumière bleue, enfin une sorte de zone bleue qui apparaît dans un cadre blanc, si on peut appeler ça un cadre, et dans un contour blanc, si je puis me permettre. Mais du coup, le truc, c'est que même en posant la manette quelque part où elle ne peut pas bouger, où elle ne peut pas se déplacer, il y a des fois, ça bouge. Et c'est extrêmement agaçant. Alors ça, la manette vibre en même temps, donc c'est peut-être pour ça. Mais je vous avoue qu'il y a des fois où je m'arrête de respirer. Il y a même des fois où j'ai essayé de poser la manette bien contre un truc pour qu'elle ne bouge pas. Et ça bouge quand même. Donc il y a des fois, c'est un peu hasardeux, j'ai l'impression, genre le truc. Est-ce que c'est les vibrations qui donnent l'impression au jeu que ça bouge? Je ne sais pas. Après, en général, ça fonctionne. Mais il y a des fois quand même... Mais c'est vraiment au millimètre près, j'ai l'impression, qu'il faut vraiment pas bouger. Donc il y a des fois où il y a des ratés quand même, j'ai l'impression. Parce que j'ai vraiment pas la sensation d'avoir bougé. Ou alors c'est vraiment, vraiment, vraiment très très précis. Bref, du coup, voilà, sachez que je ne savais pas du tout à la base qu'on pouvait lui échapper.
il a fallu que je fasse des recherches pour le savoir. Le fait est que les deux personnes qui ont fait le jeu auparavant chez moi n'ont pas pu lui échapper. Il y avait essayé d'autres solutions, soit de se cacher, soit de... au niveau de l'échelle, enfin pas l'échelle, de là où on se planque, il y a une personne qui a continué. En fait, le mec est de l'autre côté de la porte, il me semble. Et comme je vous l'expliquais, en fait, normalement, si vous n'avez pas choisi la seringue, ou du moins si vous n'avez pas dit que la seringue, que les seringues vous faisaient peur, que les aiguilles vous faisaient peur, il est avec une sorte de bonbonne de gaz qui trimballe avec lui. Donc, encore une fois, c'est des tout petits détails, on n'y fait pas forcément attention. C'est souvent quand on refait le jeu en faisant d'autres choix ou en le voyant en vidéo chez d'autres personnes qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein de petits détails qui sont modifiés selon ce qu'on a décidé de sélectionner dans le bouquin au début, quand on est justement avec le docteur Hill et qu'on a des choix à accomplir. Donc, c'est vraiment des tout petits détails. Donc franchement, je trouve que ce jeu est bien plus appréciable que n'importe quel Telltale, rien que pour ça, parce qu'il y a des petits détails qui changent, c'est juste visuel la plupart du temps, mais du coup on se rend pas forcément compte de ces changements, mais ils sont pris en compte, et surtout quand on fait des mauvais choix, les personnages meurent vraiment, et ou quand on les maintient en vie, bah ils seront en vie à la fin. Voilà, il n'y a pas le jeu à la fin qui va dire bah, écoutez toi tu vas mourir parce que l'autre a réussi à faire le bon choix, parce que t'as eu de la chance, mais tu mourras quand même d'ici peu. Voilà, je trouve que du coup c'est plutôt agréable et à ce niveau-là très réussi. Mais bon, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements avec le chapitre 6. En attendant, un grand merci à vous tous, en particulier à Celt pour m'avoir offert la console. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappe-jeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à ciao tout le monde. Salut.